Qu'est-ce que c'est? Ah, je sais pas, mais c'est joli, hein, par contre. On y a un jeu. Mais t'as raison, c'est un jeu. Bon, bah, des pions, allez. Allez. Doucement, doucement. Ça va. Comment on joue? J'espère qu'ils auront vraiment ce qu'il nous faut. Ce qu'on fait, c'est que tu me rappelles quand t'as plus d'infos, d'accord? Ok, à plus. Bonjour. Bonjour et bienvenue à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Je suis bibliothécaire Godot. En quoi puis-je vous aider? J'ai entendu dire que vous aviez un super fonds de cartes anciennes. Absolument, oui. Nous avons 5 VK qui datent du 16e siècle à nos jours. C'est cool. On peut les consulter? Bien sûr. On y va? Allez. Bastou est là, à Chambéry. Et quoi là-bas? Eh bien en fait, la carte qu'on a nous, c'est une copie. Hein, eux ils ont l'original, donc voilà. Et elle espère quoi? Qu'ils vont lui filer l'original peut-être? Alors ça tu vois, je ne pense pas. En revanche, vu qu'ils ont l'original, ils ont peut-être les règles du jeu qui vont avec. C'est pas bête ça. Je sais. Sinon, ça avance? Non. Eh ben, moi, Pascal m'a envoyé un truc super cool. C'est une carte biblique. Regarde, là, c'est vraiment un rat, avec l'histoire de l'arche nommée, les animaux et tout, et tout. C'est super cool. Alors, je vois pas très bien le rapport. Y'en a pas. Y'a pas de rapport, c'est juste super génial. D'accord. Ben, on va se faire un peu de travail. Hein? Allez. C'est trop cool ici! Ils ont plein de cartes partout! Bon, alors, ça y est, dis-moi, on est bon, on a un petit peu comme tout. Il faut absolument que je vous montre. Ils ont une immense carte de l'Afrique, genre sur 63 pages, faite par un mec avec un nom hyper pompeux, genre Richard de Regnault de la Noix de Bissy. Mais bon, il a quand même mis 15 ans à la faire cette carte. 15 ans, vous imaginez? Genre, il a mis 15 ans pour traverser toute l'Afrique et en plus. Ah non, mais t'es pas folle. Ah non, lui, il a pas bougé de Paris, hein. Il a demandé à des géographes, des cartographes, des aventuriers, des explorateurs de faire tout le sale boulot pour lui. Et nous avons aussi toute la correspondance et la documentation qui ont servi à dresser cette carte. Sinon, les règles. On a les règles. Ah non, pas encore, j'ai oublié. Mais plus tard, là, faut que je vous laisse. Bibliothécaire Godot a dit qu'il avait encore plein de choses à me montrer. A plus, les filles. Non, Pasto, tu n'oublies pas le jeu, tu n'oublies pas. Ça à chaque fois, je n'en peux plus. Je vais la tuer. Elle a raison, Pasto. Elles sont graves cool, ces cartes. Hein? Tu veux voir? Oh, si joli! Regarde ce volume, ce relief. Ça là, c'est pas du Photoshop. Je reconnais que ça claque. Et ici, c'est le département du Mont Blanc. Le dessert? La montagne. Bah ça va. Mais la tasse. Là, il y a le Mont Blanc. Et Pasto, elle est là. Il n'y a pas beaucoup de vie dans sa voie quand même. Hein. Ils doivent un peu s'embêter. Idiote. La carte date de 1794. C'est normal. Il n'y avait pas beaucoup de vie à l'époque. Et ben, je ne pouvais pas savoir. Hein. Ah, c'est congénital là quand même. Il s'agit là d'une carte de la Nouvelle-Néerlande, qui date certainement de 1655.
Vous pouvez voir ici la nouvelle Amsterdam. Eh mais c'est pas New York ça? Que l'on connaît de nos jours sous le nom de New York. Je le savais. Ah, excusez-moi. Ah mais zut, j'ai failli oublier. Oui. J'étais là pour une raison précise à la base. Avec mes amis, on a retrouvé cette carte qui ressemble à un espèce de jeu de plateau. Vous parlez peut-être du jeu du monde, créé par Pierre Duval, le jeu grave personnel du roi en 1645. C'est possible. Je vous y emmène. Venez. Je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Ah. Tenez, juste là. Après vous. Merci. Oui, c'est exactement celle-là. Vous auriez pas les règles du jeu par hasard. Et donc, on est monté dans cette grande salle, c'était la réserve, avec. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, la lumière tamisée, tout ça, t'as vu, c'était un peu mystérieux. Il y avait plein de couloirs avec des livres, des vieux livres tout anciens et tout. Une grande table sur laquelle on a installé les cartes et du coup, on a regardé. Bon. Alors, c'est bien tout ça. Mais du coup, le jeu. Quel jeu? Tu te moques de moi, c'est ça? Oh, ça va, je plaisante. Bon, ben, le jeu du monde. En fait, c'est juste un jeu de loi. Mais en tout cas, j'ai les règles. Oh. Et il paraît que c'est super simple de jouer. Mais... Bon, en tout cas, franchement, merci les gars. C'était super cool comme voyage. On tourne en Rhône-Alpes quand vous voulez. Ah, c'est chouette. Bonjour. Allez. Et il restera avec les sauvages jusqu'à ce que quelqu'un le délivre charitablement ou prenant sa place. Eh, je veux pas rester avec les sauvages, moi. Ah bah oui, mais t'as pas le choix, c'est le jeu. Égypte. Ah, qui ira en Égypte, il demeurera si bon lui semble pour prendre ses plaisirs en toute liberté. Ou bien commencera son jeu ne désirant pas une mélodie aussi licencieuse que ses habitants. Ôtez-moi d'un doute. Il serait pas un peu raciste ce jeu. Bon, du coup, c'est qui là? Bah, c'est à moi, mais je suis toujours coincée au Nouveau-Mexique. Non, en plus, vous pouvez pas venir me sauver, vous êtes toutes devant moi. Mais c'est à moi, du coup. Moscovie. Ah, qui ira en Moscovie retourner en Pologne plutôt que de demeurer dans un pays où les hommes témoignent leurs amours aux femmes en les frappant? Donc ce jeu est définitivement ma barrière.